Eh bien salut tout le monde, c'est Skels, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de glitch sur Advance Warfare, cette fois-ci pour sortir de la priorité vraiment très simplement. Donc pour cela vous aurez juste débloqué un drone de reconnaissance et avoir l'exoplanage normal, donc cela suffit juste pour sortir de la map. Donc tout d'abord vous allez devoir vous mettre ici et vous allez devoir vous allonger. Et une fois que vous êtes bien en bas des marches, vous allez demander à votre ami qu'il déploie son drone de reconnaissance et qu'il donc vous pousse dans le mur. Et de là vous allez commencer à wallbrecher et vous allez atterrir donc sur un petit rebord juste derrière le mur. C'est vraiment le seul endroit qu'on peut wallbrecher dans cette map. Donc cette vidéo est déjà parue sur YouTube il y a une petite semaine déjà, mais voilà, je me sentais normal de vous la présenter pour que vous puissiez en profiter avant que ce soit patché. Donc là comme vous voyez, je déploie mon drone et je pousse mon pote. Donc une fois qu'il est dans la secret room et qu'il est debout, vous allez pouvoir sortir de la map vraiment très simplement. Donc une fois que vous êtes là, vous allez courir en avant, vous laissez tomber et faire un double jump dash en côté gauche pour vous mettre sur un petit rebord, de la double saut dash pour aller sur la secret room et en face de l'interrupteur, double saut, et vous avez encore accès à l'étage supérieur de toutes les cellules de la prison. Donc maintenant pour sortir complètement de la prison, c'est vraiment très simple, vous allez devoir vous mettre donc à cette porte là, vous allez rentrer dedans et pour faire apparaître bien le bord, vous allez vous mettre ici, avancer un petit peu, vous verrez qu'il y a un bord là-bas, donc vous allez vous laisser tomber, faire double saut dash et vous êtes sur le rebord. De là vous allez faire un jump en avant, un jump simple, vous faire exoplanage en dessous et faire un double saut dash pour atterrir donc en dehors de la map vraiment simplement. Et ça ne nuira pas au multijoueur puisqu'il faut quand même un ami qui vous pousse avec le drone de reconnaissance. Et la première manip à réaliser, où c'est que vous vous laissez tomber, vous faites un double saut dash sur le rebord, elle est assez compliquée à prendre en main. Donc vraiment pour faire ça en ligne, il faut y aller. Et puis voilà, si vous y arrivez tant mieux pour vous, mais bon je vous conseille quand même pas de le faire en ligne. Donc voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, mais juste avant de vous quitter, je voulais vous lâcher un gros merci parce que vous êtes maintenant 3800 à vous être abonné à ma chaîne et ça me fait grave plaisir. Donc pour cette occasion, pour les 4000 abonnés qui arriveront très prochainement sur ma chaîne, j'organiserai un gros concours lobby, donc avec Théo6 et certainement un autre modeur pour que ça soit vraiment énorme. Et puis surtout n'hésitez pas à en faire part à vos amis pour qu'ils viennent s'abonner également, puisque ce concours sera spécialement pour mes abonnés. Il n'y aura pas de technique de gruge ou quoi que ce soit, parce que ça sera vraiment un beau concours. En tout cas j'essaierai de le faire correctement, mais pour le moment, pour quelque chose qui est proche, il y aura un petit projet que j'ai lancé maintenant sur ma chaîne qui aura lieu tous les dimanches. Donc voilà, ce sera une petite série que j'ai lancée et qui aura lieu tous les dimanches, mais en rien ça n'impactera sur la quantité de mes glitches. C'est toujours un glitch tous les deux jours, donc voilà, soyez là. Et puis voilà, donc moi j'enverrai encore une fois cette vidéo à la GlitchHackFR en espérant qu'il m'upload. Si c'est le cas, je les remercie d'avance comme d'habitude, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de glitch qui arrivera sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Skels et bye tout le monde.